Téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale d'Haïti, merci pour patience et fidélité. Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite, visite secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui c'est Antonio Guterres. Et bien rapide, il y a un résumé pour même qui a à peine branché la télévision, Paola, télévision nationale d'Haïti. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, visite le pays d'Haïti. Samedi 1er juillet 2023, Jean Satéane. Et faut nous dit pour accueillir ce général là, tu gagne représentant li dans pays c'est intégré Nations Unies en Haïti en qui Maria Isabelle Salvador. Nous te gagne tout ministre affaires étrangères Jean-Victor Généus qui t'est venu qui t'est présent dans aéroport international Toussaint Louverture pour te accueillir et secrétaire général là et tout de suite après délégation qui te vienne accueillir secrétaire général là donc il y a des directions direction et résidence officielle premier ministre là il t'a pas rencontré avec différents personnalités dans pays en côté t'a pas parler sur différents problèmes qui a traversé pays d'Haïti Lunel Jean-Louis. Bonsoir Audney, bonsoir téléspectateurs téléspectatrices notre télévision nationale d'Haïti. Jean Dillan et Rodney, ils ont une journée de marathon, t'as capable dit, comme prévu. Et secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, est rentré dans le pays d'Haïti. J'en ai déjà dit le matin, et qui c'est samedi 1er juillet 2023. Ben, dans le cadre de visite, il a déjà réalisé plusieurs rencontres. Il a parlé avec plusieurs dans le pays, notamment le Premier ministre et Ariel Henry, ainsi que des cadres de pays a oublié des acteurs et de classe politique et donc tu as fait situation et politique tu as capable dit crise politique crise et humanitaire question insécurité c'est des points qui te prévoit pour aborder dans quatre visites ça donc c'est moi même nous déjà présent dans l'aéroport tout l'ouverture Napton et alors départ n'a suivre départ et en Guterres qui pourra le gagner bien entendu pour prendre la parole dans le salon là qui pourra aborder qui parle des précisions sous et c'est un point que il était abordé dans cadre et série rencontre qu'elle était fait avec des acteurs dans vie et nationale là déjà nous sur place et dans l'aéroport de l'ouverture et on arrivé Antonio Jean qui va prendre la parole, qui va faire un point de presse avant que l'équité payant, parce que déjà c'est une rencontre qui était plusieurs et normalement c'est le général là qui doit quitter payant jeudi. Je rappelle là, Antonio Guterres est venu vers 10 du matin et en payant, côté tu as gagné une série de personnalités parmi eux, tu as gagné Miss Affaires étrangères là, Jean-Victor Généus, tu as gagné également. Secrétaire général adjoint l'ONU, qui c'est Madame et Rosemary du Carmel, également, t'es gagné tout chef BINU dans le pays d'Haïti, qui c'est Madame Maria et Isabelle Vador et Woodney, donc qui était présent pour venir accueillir secrétaire général et Nations Unies et Antonio Guterres, j'en dis, qui était réalisé ou du moins réalisé à parler avec plusieurs pays. Alors, ou même qui a suivi la télévision nationale d'Haïti, dans le moment où tu as posé cette question, et premier, il parlait, il était fait dans la résidence officielle Premier ministre là, avec Premier ministre Ariel Henry, avec le gouvernement en place là, ou, et avec représentant tout dans le pays, qui c'est chef Binian, et ou peut-être tout à qui ensemble leur personnalité sous scène politique là, ou bien dans la société civile, le secrétaire général Antonio rencontré et ça, elle parlait ensemble avec eux, bien que nous, c'est sous situation générale pays en Litevin, mais qui ça, elle allait avec ensemble personnalité, ça, qu'elle rencontré. Donc, pour jouer une réponse avec une question, ça, qui tout, n'a pas invité, rete, toujours été fidèle ensemble avec télévision nationale d'Haïti. Jean et confrère lui-même, l'ISOT a annoncé le 1, automatiquement, secrétaire général lui-même, avant même l'équité payant,
l'a gagné pour lui bayon point de presse et la dani nous espérer que gagne précision ou bien gagne questions ou même moi poser tête tout ou joindre réponse à que alors nous même qui équipe télévision nationale là nous là Jean nous te dit là depuis matin nous motivé et nous rester là pour nous permettre ou suivre dernière ligne droite et visite et secrétaire général Nations Unies. Non bien alors nous souhaité que ou rester toujours sous télévision nationale d'Haïti poursuivre et dernier pour poursuivre la conférence de presse et que prenne presse et merci Lunel et que secrétaire général lui-même li pral gain pour le bail alors n'a demandé on a pral prendre une petite pause et n'a demandé et que studio yo mettre prendre l'antenne mais automatiquement secrétaire général là il pral arriver dans salon diplomatique là n'a gain temps fort connait et permettre ou vivre prendre presse qui pral bail avant même que li quitter pays alors studio nous capable reprendre l'antenne et automatiquement secrétaire général là lui-même li arriver dans salon diplomatique là nous après retourner ensemble avec vous téléspectateurs téléspectatrices télévision nationale d'Haïti.
Et voilà, mesdames et messieurs, j'en ai annoncé, nous retournons après une courte pause que nous prenons et pour nous permettre de suivre différentes étapes, différentes interventions qu'a gagné pour faire dans le cadre alors point de presse qui prévoit dans le salon diplomatique à l'aéroport international Toussaint Louverture. Et j'en ai constaté là, c'est arrivé le secrétaire général Antonio Guterres dans le salon diplomatique aéroport de Saint-Louverture, eh bien, qui déjà sauté réaliser plusieurs rencontres, j'en ai déjà dit, avec plusieurs personnalités dans le pays d'Haïti, notamment le Premier ministre Ariel Henry. Donc, sans nul doute, qui saute parler sous situation sociopolitique et humanitaire et pays d'Haïti. Et sans oublier l'autre personnalité dans le pays, notamment regarder dans le PNH là, responsable et Bunyan, et sans compter l'autre et mon en dans société civile là, donc côté ils souhaitent rencontrer, ils souhaitent chita parler sous question, alors sous crise qu'a traversé le pays d'Haïti depuis quelques jours au Dédoléan. Alors bien sûr Lunel Jean-Louis et Jean Sodil délégation qui gagne là dans le secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres déjà arrivé Moi, Cotton and Pilpum avec nous, Haïti Jodia, malgré une situation difficile là. Moi, te vin potei un petit message pour nous, Nations Unies, camper avec ou. Avec ou. Mesdames et messieurs de la presse, ma visite à Haïti est une visite de solidarité et une visite que je fais en toute humilité comme secrétaire général des Nations Unies face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien qui fait face à un terrible cycle de crises sécuritaires, politiques et humanitaires qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant aux départements du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face aux gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, que ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui
qui viendraient assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Et j'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Mesdames et messieurs, près de 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers inter-haïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien, avec une pleine participation des femmes et des jeunes, permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. L'ABINU, ainsi que tout le système des Nations Unies, soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. J'ai écouté leur appel à l'aide et leur appel à la sécurité et à l'engagement de la communauté internationale pour appuyer la police nationale en matière de sécurité. Une personne sourde en Haïti vit dans une extrême pauvreté et est confrontée à la faim, n'ayant pas accès régulier à l'eau potable. Notre plan d'intervention humanitaire qui prévoit 720 millions de dollars pour venir en aide à plus de 3 millions de personnes n'est financé qu'à 23%. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et je voudrais également saluer le courage et le dévouement des travailleurs humanitaires qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles. Les attaques à leur encontre doivent cesser immédiatement. Je demande aux parties prenantes de veiller au respect des droits humains et du droit international et de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave. Mesdames et messieurs de la presse, ces crises multiples émanent d'un même défi connu de tous et tragiquement prévisible, un déficit chronique de développement. En fin de compte, seul un développement inclusif et durable permettra de rompre le cycle historique de crise, répondre aux défis humanitaires et sécuritaires et créer un environnement constitutionnel et politique stable. Aucune solution ne pourra être trouvée sans le peuple haïtien. Mais l'ampleur des problèmes requiert le plein appui de la communauté internationale. Demain, je participerai au sommet CARICOM à Trinidad et Tobago et je salue le soutien régional en faveur de Haïti. Je sais que le Premier ministre y sera aussi présent. Je veux le redire au peuple haïtien, les Nations Unies se tiennent à vos côtés pour soutenir tout effort national dans l'intérêt de tous les Haïtiennes et de tous les Haïtiens.
en particulier des jeunes, qui méritent un avenir plus sûr, plus juste et plus pacifique. Merci une pile. Merci, on va prendre quelques questions. On prend Métropole et ensuite Radio Nationale. Métropole. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, bienvenue en Haïti et bon départ. Je suis Jean-Jules Desaugustes, je travaille pour Radio et Télévision Métropole. Donc, au-delà de ce re-questionnement sur la mission, la force robuste qui doit venir en Haïti, est-ce que vous avez un délai, donc une date que la réponse pourra être donnée pour venir en aide à Haïti? Vous parlez de justice morale dans le cadre de la situation sociopolitique d'Haïti, d'une part. De l'autre, vous avez rencontré les acteurs. Qu'est-ce qu'ils vous promettent? Est-ce qu'ils vous donnent l'assurance qu'ils trouveront une entente entre eux, politique notamment? Et troisièmement, pour finir, il y a des gens qui reprochent à l'ONU de faire partie intégrante de la crise à cause de la MINUSTAH qui a intégré le choléra en Haïti, qui est encore là et qui fait partie de la crise sanitaire. Les dommages ou les dédommagements, la réparation, comment l'ONU voit ça aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous allez m'excuser, mais j'ai un problème. Alors, la première question, c'était de savoir si vous avez un délai pour la force internationale. Un délai pour la force internationale. La deuxième question, c'était est-ce que les acteurs politiques vous ont promis de travailler à une solution politique? Et la troisième question, c'est est-ce que l'ONU n'est pas une partie intégrante du problème en Haïti dû à la... au choléra. Qui s'est passé avec la MINUSTAH. La production de la choléra. Premièrement, je n'ai pas de calendrier. J'appelle au Conseil de sécurité pour prendre une décision positive. Et j'appelle aux États qui ont la capacité de fournir une force sécuritaire robuste de ne plus avoir des hésitations et d'être prêts à suivre une décision du Conseil de sécurité. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible de prévoir quand est-ce que ces deux conditions seront remplies. La deuxième question... Est-ce que les acteurs politiques... se sont engagés à avancer. Je dois vous dire que j'ai eu des réunions très intéressantes et à mon avis très constructives avec le Premier ministre, avec le Haut Conseil de la Transition, avec les partis politiques et proches du gouvernement et de l'opposition et avec la société civile. Et je crois que il nous faut avoir un espoir qu'un consensus élargi soit établi pour pouvoir aller devant dans la perspective de création le plus tôt possible. Naturellement que ça exige aussi une intervention sécuritaire essentielle, mais pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible à une normalisation de la vie démocratique de Haïti. Et finalement, je vous ai dit quand j'ai commencé mon intervention que j'étais ici en toute humilité. Je crois que les Nations Unies ont fait des choses positives en Haïti. Je crois que les Nations Unies ont aussi commis des erreurs et ont contribué d'une façon négative dans certains domaines. C'est en toute humilité que je suis là pour exprimer au peuple haïtien toute ma solidarité et tout mon engagement. Merci. Radio Nationale. Bonsoir à tous. Monsieur le secrétaire général, votre visite, je cite, est une visite de solidarité faite avec humilité. Avec? Et vous avez également souligné que les Nations Unies mettront tout en œuvre afin qu'Haïti puisse se relever. Je pèse bien mes mots. Afin qu'Haïti puisse se relever. Que peut-on attendre de cette énième visite? Que peut-on attendre de ce dialogue, tenant compte de l'échec qu'il y a eu avec ce dialogue qu'il y a eu récemment en Jamaïque? Donc, quelles actions concrètes peut-on espérer afin d'aboutir à ce grand rêve? Merci. Premièrement, cette visite a plusieurs objectifs. Et un des objectifs est faire un appel fort à la communauté internationale.
un appel fort du point de vue de la sécurité et un appel fort du point de vue de l'aide humanitaire. Comme je vous ai dit, nous avons un plan humanitaire qui n'est financé qu'à 23%. Je crois qu'il faut mettre l'Haïti sur la carte de la vie politique internationale et mettre le drame du peuple haïtien comme première priorité de la communauté internationale. Et c'est une des raisons de cette visite. Deuxièmement, cette visite a aussi comme objectif aider à créer des conditions pour que la communauté internationale puisse finalement décider des mesures qui permettent au gouvernement haïtien non seulement de renforcer sa police, mais d'avoir le soutien d'une force sécuritaire internationale capable de démanteler les gangs comme la population désire. Et finalement, c'est aussi un objectif de cette visite de me rencontrer avec les acteurs politiques et sociaux de Haïti. Je ne suis pas ici pour dire aux Haïtiens ce qu'ils doivent faire. Je suis ici pour les entendre et pour les encourager à un consensus établi le plus largement possible pour faire avancer le processus de transition. À mon avis, ce n'est pas aux étrangers de résoudre le problème haïtien, ce sont les Haïtiens qui vont le faire. Le rôle des Nations Unies, comme le rôle de CARICOM, le rôle d'autres institutions, c'est d'appuyer ce processus de dialogue et c'était là un des objectifs de cette mission et nous continuerons avec notre mission en Haïti, nous continuerons ce travail d'appui au dialogue pour le consensus. Dernière question avec Wouters. So, Mr. Secretary General, my name is Harold Isaac. I'm with Reuters. And we wanted to know what was discussed with Prime Minister Ariel Henry during your visit. What was discussed with Prime Minister Ariel Henry during your meeting? Obviously, we discussed we are in full agreement about the need for the international community through the Security Council and through a number of countries that will provide the necessary forces for the international community to come in support to the police, the Haitian police, not only in training and equipment, but also with the presence of a security force able to dismantle the activity of the gangs that is today the dramatic obstacle not only to the development of the political process, but a dramatic obstacle to the development of the economy and to the distribution of humanitarian aid. This was a central aspect of our discussions. But we also discussed the different steps that are being taken in order to move in the direction of creating as large as possible and inclusive as possible base for political process to move ahead and for credible elections to be able to take place in the best possible delays. Okay, one more, maybe one last. Al Jazeera. Yeah. I'm Ivo Volis from Al Jazeera. Are you getting closer to find a country to lead your proposed police strike? What happens if you do find one? Are you closer to getting to having a country willing to take the leadership of this international force? The leadership will not be of any international force. The leadership will always be of the Haitian police. The international force will be, if I hope the Security Council will decide under Chapter 7 and that relevant countries are able to provide the necessary security forces, the objective of this force is to support the Haitian police with a capacity that, of course, is necessary in order to be able to effectively dismantle the action of the gangs. Je pense que ce serait bien de, si vous pouviez dire la même chose en français, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser aussi.
Ce n'est pas à la force internationale d'avoir la direction de l'effort de police. La direction de l'effort de police doit être de la police nationale. Cette force internationale, que j'espère sera constituée, et j'appelle au Conseil de sécurité et aux pays qui peuvent donner des forces de sécurité nécessaires, cette force nationale sera là pour renforcer la capacité d'action de la police nationale. Merci beaucoup, secrétaire général. Merci, monsieur le secrétaire. Merci bien. Merci bien. Vous venez ici à... Oui. Alors, on va se... Merci infiniment. Au revoir. En direct depuis la porte internationale Toussaint Louverture, côté nous sommes à aider aux vives. Conférence pour la presse qui mettait fin dans une visite de quelques heures, secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a fait dans le pays d'Haïti. Il expliquait en long et en large à travers toutes questions journalistes qui ont posé l'objectif virer ça. Alors, visite ça, il dit, c'est une visite qui suivre plusieurs objectifs. D'abord, c'est permettre faciliter le dialogue inter-haïtien. Donc, le principal objectif de visite, ça, c'est l'aspect politique. Là. Et deuxième objectif de visite, ça, c'est la question de sécurité en Haïti. Côté, il dit visite l'IA, eh bien, c'est une visite honorable, c'est une visite désagrément, c'est une visite qui vient pour aider le pays d'Haïti à différents niveaux. D'abord, dans la question politique, mais tout dans la question sécurité. Côté, il pral mener en plaidoirie auprès de différents pays membres des Nations Unies pour permettre que Haïti joigne plus bourrade dans le niveau sécurité, mais surtout dans le renforcement de la capacité police nationale d'Haïti pour capable eh bien, faire face à situation sécuritaire pays d'Haïti qui est vraiment grave dans le moment où on a parlé là. Et troisième objectif là, c'est l'aspect humanitaire question. Parce qu'elle dit en Haïti, eh bien, nous pas loin fait face à une grave crise humanitaire. Et jusqu'à présent, elle dit action communauté internationale là, en Haïti, seulement au niveau humanitaire, seulement à 23% dans l'objectif qui était fixé dans le plan humanitaire en faveur Haïti. Donc, en gros, il te répond plusieurs questions journalistes sur inquiétude qui retombait une visite comme ça capable de voter pour Haïti. Eh bien, il dit, après rencontre, ça le fait, lui-même, il était très optimiste parce que depuis le matin, pour arriver à Kounia, il a fait un pile rencontre et rencontre ça, Chita a parlé le faire avec différents secteurs, ça a laissé le croire que Haïti est sur une bonne route. Premièrement, il était rencontré à Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Après ça, il était rencontré avec plusieurs, il rencontré un membre au conseil et transition. Et puis il rencontré avec représentants plusieurs partis politiques, il dit partis politiques qui proches pouvoir et partis politiques tout qui n'en opposition. Donc il dit chita parlé en té poté fouy, tout était bien, c'était une atmosphère cordiale et tout le monde montrait engouement, tout le monde rencontré montrait et engouement et au conscient de nécessité qui gagne pour pays d'Haïti sorti dans un passe politique difficile de trouver le jeune jeudi a et pas gagner l'autre moyen pour Haïti sorti dans un moment difficile ça d'après ça qu'on fait qu'on est c'est par le dialogue. Il dit lui au courant de toute nécessité pays d'Haïti gagner dans question élection qui gagne pour faire dans question sécurité qui pour tabli d'abord comme une première condition pour gagner élection dans pays a. Et dans la question tout pour réduire le chômage, la vie chère grand goût qui gagne dans le pays, la crise économique. Nous avons fait un virer on ça, secrétaire général des Nations Unies, saute fait en Haïti jeudi à même. Eh bien, il est venu tout de suite après participation du Premier ministre Ariel Henry dans le pays Paris et dans la ville de Paris. Il a fait pendant deux jours un sommet sous financement. Côté, il a rencontré un paquet de personnalités. Côté, lui-même, il a lancé dans toute une série de plays pour permettre à la communauté internationale de comprendre la démarche gouvernementale et rentrer dans l'aide vraiment Haïti besoin pour retirer les difficultés liées actuellement. Là. Donc, non seulement série visite, ça, rencontre ça que le Premier ministre a fait et tout récemment dans la ville de Paris et il fait suite avec lui.
Et bien, l'autre rencontre quoi qui prévoit, par exemple, nous connaissons la date 5 juillet qui est venue là, dans le commencement de semaine, le premier ministre Pralguin pour prendre direction Trinidad et Tobago, côté Pralguin pour participer dans le sommet CARICOM. Et là, ça a tout, il prévoit rencontrer avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, toujours pour discuter sur trois grands points. Nous sommes dit là, sur la question politique pays d'Haïti, sur la question sécurité en Haïti et tout sur la question humanitaire en Haïti. Donc, c'est toute une série de périples, c'est tout un paquet de démarches qu'a fait pour Haïti capable de rejoindre une solution. Dans le moment où on a parlé là, il faut qu'on ait une démarche interhaïtienne, tout qu'a fait. Il y a une démarche pendant la communauté internationale là pour supporter Haïti à travers visite, à travers Chita Paléo. Il y a une démarche qu'a fait au niveau haïtien. Tout. Par exemple, nous sommes capables de considérer le forum qui n'a pas trop longtemps qui était fait dans Pétionville. Sous l'obédience au Conseil Transition. Côté, une série de secteurs t'es invité pour venir dire qui ça a pensé de crise haïtienne. Donc, il y a des marches qui faites au niveau international et même, j'entoure, il y a des marches qui faites au niveau pays d'Haïti. Donc, en gros, c'est ça qui te fait l'essentiel. Vireron, secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, qui est sur route pour quitter le pays d'Haïti dans le moment où on a parlé là. C'est ça qui te fait l'essentiel point de presse que conférence de presse que li sot bay dans le salon diplomatique là côté différents médias tu as une chance poser la question sous visite ça que li expliquer en long et en large et nous même au niveau télévision nationale d'Haïti nous t'es présent avec vous dans le salon diplomatique et porte internationale Toussaint Louverture pour permettre ou vivre conférence pour la presse ça. Donc nous rappelons déjà visite ça li fait suite à plusieurs rencontres premier ministre l'ont fait pour frapper porte communauté internationale là pour demander eh bien une solution à crise haïtienne une solution internationale et une solution locale et gain l'autre visite qui a continué encore tout au cours de semaine qui a venir là premier ministre va gagner un paquet l'autre visite pour le faire et pourquoi pas nous capable recevoir visite l'autre autorité américaine parce que nous soutenons le secrétaire général des Nations Unies qui lui-même expliquait que gen l'autre démarche qu'a fait toujours. Il pas dit de qui nature mais nous gantan et imaginer facilement que c'est toujours dans ça qui gen rapport à trois grands objectifs visite jodi a. N'a pas rappelé ou même qui fait brancher télévision nationale d'Haïti dans moment n'a parlé là et bien nous saute à suivre conférence qui mettait fin à visite de quelques heures. Secrétaire général Nations Unies en Haïti, M. Antonio Gutiérrez, côté, il était rencontré tout d'abord avec le Premier ministre Ariel Henry, ensuite il est rencontré avec membres au Conseil de Transition. Après ça, il est rencontré à plusieurs acteurs politiques, tant proches du gouvernement, tant du côté de l'opposition. Et point qui était débattu, c'était question sécurité en Haïti. Ces questions politiques là en Haïti nécessité pour haïtiens yo entre yo déboucher avec un dialogue nécessité au niveau de sécurité pour police nationale là joindre renforcement technique pour joindre renforcement pratique tout pour joindre toute qualité support qui pour permettre yo faire face à crise insécurité en Haïti et te parler tout de questions humanitaires en gros c'est ça qui fait l'essentiel. Visite ça, premier secrétaire général Nations Unies en tape fait, ici là en Haïti. Donc, téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, et nous invitons à continuer à suivre, reste fin visite ça, que le tape fait en Haïti, secrétaire général Nations Unies Antonio Gutiérrez, tape fait dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est fin visite là, nous sommes à suivre là, visite là finie à partir de point de presse ça. Côté secrétaire général là t'es profité répondre à question journaliste sous objectif visite li en Haïti. Nous dit tout le monde qui t'a suivre nous merci en pile, merci pour attention nous. Bonne suite de programmation sur Télévision Nationale d'Haïti.